Hey, salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue, on se retrouve sur la chaîne YouTube Use The Beat. Et aujourd'hui, petit changement de programme, nous ne serons pas sur Guild Wars 2 pour gagner des PO. Oui, donc comme je vous disais, nous ne sommes pas ce soir sur Guild Wars 2 pour gagner des PO, nous sommes plutôt sur les cours du Bitcoin. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cours du Bitcoin est extrêmement élevé depuis quelques temps. Il monte, on se demande quand il va s'arrêter. Donc pour commencer, qu'est-ce que le Bitcoin? Ensuite nous verrons comment l'avoir gratuitement ou en payant. Et dernier point, où les dépenser? Donc, qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est une monnaie virtuelle, donc c'est une crypto-monnaie, donc qui a concurrencé un peu toutes les autres, donc le Dogecoin, le Darkcoin, le Littlecoin, il est passé devant tout le monde. C'est le Bitcoin que l'on parle essentiellement. Il n'y a pas de banque qui traite le Bitcoin, il n'y a pas d'État qui gère le Bitcoin, c'est une monnaie uniquement virtuelle, si on peut dire ça comme ça. Et ce qui fait que son cours est extrêmement volatile. Donc aujourd'hui le Bitcoin vaut 1100$, comme on peut voir sur les différents sites de revente. Donc là on peut voir par exemple 1137$ au moment où je fais la vidéo, ou alors 1079€ pour un Bitcoin. Il y a quelques mois le Bitcoin ne valait pas autant. Il y a quelques mois le Bitcoin valait seulement 700€. Donc par exemple en début de mois il valait 700€. Il y a 6 mois il valait que 600€, voire moins. Donc, c'est bien. Et comment en avoir? Donc, le Bitcoin, on a plusieurs possibilités pour en avoir. Là, par exemple, nous avons le site Bitminer. Donc, tout simplement, pour vous connecter, il faudra que vous ayez une petite adresse de Bitcoin. Donc, juste avant ça, on va aller sur Coinbase. Donc, moi, je vais vous donner un petit lien d'affiliation. Après, c'est à vous de cliquer si vous souhaitez dessus. Si vous souhaitez passer par moi ou non. Donc voilà, Coinbase join Ustopit. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous injecterez 95€, si vous souhaitez en injecter, vous gagnez 9€, je gagne 9€. Donc c'est un partage, un double partage, on va dire ça comme ça. Pourquoi utiliser des bitcoins? On verra ça plus tard. Donc le fait de créer votre petite adresse grâce à ce petit lien là, que vous aurez en vidéo, et ben vous verrez que vous allez avoir une petite adresse qui va se créer. Donc vous pouvez avoir soit des bitcoins, soit ce qu'on appelle de l'Ethereum, un peu tout et n'importe quoi. Donc par exemple ici, BTC Wallet, donc c'est l'adresse de Bitcoin que nous avons. Allez, dépêche-toi d'aller dessus. Donc le site met un peu de temps à charger, c'est normal, il doit être surchargé en ce moment. Où est-ce que je peux voir? Adresse du portefeuille. Donc là on va voir l'adresse, voilà, qui va apparaître. Ça c'est l'adresse actuelle de portefeuille que je veux. Si je veux faire n'importe quelle transaction, il va falloir que de cette adresse là, j'envoie des bitcoins sur une autre adresse. Par exemple, là, vous allez entrer cette adresse de bitcoin ici. Il faut savoir, avant toute chose, que toutes les transactions en bitcoin ne peuvent pas être remboursées. Une fois que c'est fait, c'est fait. Vous pouvez seulement récupérer l'argent si la personne qui a reçu vos bitcoins décide de vous le renvoyer. Si vous connaissez pas son adresse parce que vous êtes trompé de numéro, bah bonne chance à vous. Vous avez aucun moyen de contacter cette personne. Donc en général, la personne garde l'argent. Donc à vous de bien faire attention quand vous tapez une adresse. Le plus sûr reste de faire un copier-coller. Et en attendant, on va parler de Bitminer. Donc Bitminer, vous pouvez avoir un petit lien. Voilà. Enfin, soit vous allez directement sur Bitminer, soit vous cliquez directement sur le lien de parrainage. On va dire ça comme ça. Il faut savoir que Bitminer c'est le même principe que Ormine, c'est-à-dire que aujourd'hui vous pouvez gagner de l'argent, demain le site peut disparaître. Donc ce que vous pouvez faire, ce que j'ai fait avec certains comptes, c'est que vous ne payez rien du tout. En fait là voilà, vous allez voir la balance, donc en gros votre porte-monnaie qui va monter de seconde en seconde. Donc très peu au début. Ensuite vous pouvez faire ce qu'on appelle un upgrade de mine, donc c'est-à-dire payer par exemple à 0,01 Bitcoin. Ce qui représente à peu près, tac tac tac, si on convertit bien, ça fait à peu près 10 euros, 1 euro, 1 euro pour gagner jusqu'à 0,012 bitcoin par jour.
Ici, vous pouvez avoir 100 euros pour 0,015 bitcoin par jour. Payer quasiment un bitcoin, donc quasiment 1000 euros pour avoir 0,15 bitcoin par jour. Donc, si vous faites bien le calcul, au bout de 6 jours, vous êtes rentable. Mais bon, il faut quand même payer 1000. Ou alors payer 5 bitcoins directement pour gagner un bitcoin par jour à peu près. C'est des approximations. Donc, ce qui peut se passer, c'est que très bien, vous décidez de payer, vous récupérez votre argent à partir d'un certain temps, d'un certain montant, c'est vous qui décidez. Ça peut être très bien, vous mettez l'argent dans 6 mois, vous récupérez. Si le site est toujours là, bah vous êtes largement gagnant. Par contre, si le site a fermé avant que vous récupérez vos sous, bah vous êtes totalement perdant. Il faut savoir que c'est un système pyramidal, c'est-à-dire les premiers arrivés, les premiers servis. Par exemple, les premiers qui sont inscrits vont avoir des parrainages, enfin vont faire des parrainages, donc ils vont avoir des affiliés, des filleuls. Les filleuls vont par exemple payer ou non. Donc les parrains vont récupérer une grosse partie d'argent et le seul moment où ils vont récupérer l'argent, c'est grâce aux filleuls qui ont donné de l'argent sur le site. Donc en gros, c'est un système interdit en France. Ça tombe bien, le site n'est pas français, même si la traduction est faite. Donc voilà, c'est de l'arnaque totale. C'est pour ça que je vous dis de vous méfier si jamais vous voulez mettre de l'argent. Donc à quoi sert le Bitcoin? Donc on peut l'utiliser un peu partout, notamment sur le darknet, pour les petits trafiquants, pour les personnes qui n'ont pas envie de voir où vont leur argent. Par exemple, demain, vous êtes un vendeur, vous ne souhaitez pas que tout soit visualisé par l'État, donc tout simplement, vous utilisez les bitcoins. Car l'État français ou n'importe quel État n'a aucune visibilité sur les bitcoins. Le seul risque, c'est que c'est extrêmement volatile, comme je vous l'ai dit. Donc le bitcoin, on peut très bien l'utiliser sur Steam. On peut l'utiliser. Hop, regardez bien ici. Bitcoin sur showroomprivé.com, on peut l'utiliser. On peut aussi l'utiliser sur Instant Gaming. Donc là, on a plusieurs choix de paiement possibles. Paiement par carte de crédit, paiement par PaySafeCard. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus prochainement. On peut aussi faire des petits paiements par PayPal, donc avec des frais de transaction plus 2 euros, ou alors paiement par BitPay, donc par Bitcoin. Donc il faudra envoyer. Si j'ai pas été déconnecté, parce que ça fait longtemps que j'ai lancé la page, voilà. Envoyez vos bitcoins à cette adresse-là. Donc, de votre portefeuille, vous l'envoyez jusque-là et vous envoyez un montant de 0,025421 bitcoin à cette adresse-là. Donc, ce qui fait rien du tout, étant donné le cours du bitcoin actuel. Donc, voilà. Je pense vous avoir tout dit. Faites bien attention à ce que vous faites. Où vous dépensez vos bitcoins, où vous dépensez vos sous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, enfin, faire un peu tout ce que vous voulez, ou moi, je n'aime pas si jamais vous n'avez pas aimé du tout. Et on va se quitter là, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!